Dawnforce est un jeu d'enchères et de paris qui se joue en deux temps. Les joueurs achètent des pilotes et tentent de déterminer le vainqueur de la course. Bienvenue dans le monde des circuits automobiles. Dans Dawnforce, les joueurs tentent de devenir riches en pariant sur des pilotes. Dawnforce est à la fois un jeu d'enchères et de course, mais les deux ne sont pas mélangés. Une partie se déroule en deux temps. Tout d'abord une phase d'enchères, pendant laquelle les joueurs tentent de remporter des pilotes. Les pilotes sont présentés au hasard, les uns après les autres. Chaque pilote est accompagné d'une carte pouvoir. Lorsqu'un joueur gagne un pilote, il prend aussi sa carte. Il en choisit une avant le début de la course et défausse les autres. Ensuite, une phase de course. Lors de cette phase, les joueurs avancent les voitures sur le circuit et parient sur le vainqueur à certaines étapes clés. Dans Dawnforce, tout se joue grâce à des cartes. Les lignes colorées représentent les différentes couleurs de voitures. Une ligne blanche signifie que le joueur peut choisir n'importe quelle voiture qui ne figure pas déjà sur la carte. Pendant la phase d'enchères, les cartes sont utilisées pour dire combien le joueur souhaite dépenser pour tel ou tel pilote. Le plus grand chiffre l'emporte. En cas d'égalité, celui qui a le plus de lignes gagne le pilote. Lors de la course, les cartes permettent au joueur dont c'est le tour d'avancer chaque voiture représentée d'autant de cases qu'indiquées, de haut en bas. Dawnforce est avant tout un jeu de pari. Le but n'est pas forcément de faire gagner ses pilotes, mais de parier avec justesse. Lorsqu'au moins une voiture traverse une ligne, les joueurs doivent parier sur la voiture qu'ils pensent voir gagner. À la fin de la partie, chacun gagne des points suivant la position de ses voitures et la justesse de ses paris, puis retire autant de points que le montant dépensé en phase 1. Pour conclure, Dawnforce est un jeu simple et accessible qui mêle à la fois enchères et paris. Les joueurs doivent trouver un équilibre lors de l'achat de pilotes et parier judicieusement pendant la course, tout en amenant ses voitures aux premières places.